Peiné, je suis tombé malade quand j'ai appris que la CNDH a fait un rapport qui a été torturé, altéré, c'est ce que je dis. Donc, malgré que ça a été altéré, torturé, ils sont encore allés mentir allègrement comme ça sur nos comptes, alors que nous vivions encore. Mais ce que je tiens à vous dire et que je retire un peu l'attention de ces dirigeants, soyons quand même justes. Parce que, vous savez, et je le dis toujours, l'injustice est le lit de toute violence. Donc, ça veut dire quoi? Il ne faut pas qu'on nous amène à nous endurcir le cœur. Nous sommes déjà, on est déjà fâchés et on se tait, on se dit que bon, c'est pas grave, on va suivre, c'est nos frères, c'est nos pays, c'est nos pays. Mais attends, mais nous voyons encore qu'ils sont en train de se moquer davantage. Ils veulent nous énerver. Bon, mais néanmoins, nous attirons leur attention. Les gouvernants, s'il vous plaît. Hier, c'était pas chargé, je le dis bien. Les ministres, ceux qui font ce conseil de ministres, et ils débattèrent des balivernes pour la population. Je dis bien, hier, c'était pas chargé. Aujourd'hui, quand c'était pas chargé, je vous dis ceci, hein. Monsieur le ministre d'État, Pascal Bojonan, a déclaré sur Africa 24 que j'ai suivi que l'infraction de coup d'État a été consommé et que Pacha voulait faire un coup d'État. Maintenant, on l'a arrêté. La justice doit faire son travail. Il n'y a que le président de la République pour peut-être une clémence pour le libérer. C'est Bojona qui l'a dit sur Africa 24, les bancs sont là. Aujourd'hui, c'est son tour. Donc, faites attention. C'est un système qui est à tête d'un cancer. Donc, quittez le bateau diable dans le mensonge. Merci. C'est ce que j'allais ajouter là-dessus. Nous, on a été torturés, hein. Nous sommes des blessés de guerre. Mais nous, ce que nous faisons là, c'est pour vous. Il ne faut pas que vous soyez torturés. Et grâce à nous, hein, sinon, vous allez partir à Massénakopé. Vous connaissez là-bas? C'est l'ANR. Or, ce n'est pas l'ANR qui torture les gens, c'est les individus. On peut changer le nom, on peut casser même les bâtiments. Si ces personnes sont là, ce qui veut dire que la torture existera. N'est-ce pas? Merci. Bonne soirée.